Et bonjour, nous voici pour une petite démonstration d'un tour qui se fait seulement avec 4 cartes. Alors j'ai des 4 ici. Alors c'est pas une coïncidence, c'est pas parce que j'ai 4 cartes que j'ai des 4 cartes. C'est le cas de le dire. Ça peut se faire avec des as, avec des valets, avec des rois. Et ces 4 sont tous de couleur bleue. Je vais vous le montrer. Donc j'ai le 4 de trèfle. J'ai le 4 de cœur. J'ai le 4 de carreau et le 4 de pique. Ces 4 cartes qui, elles, sont bleues, il faut savoir que les magiciens peuvent faire changer la couleur des cartes. Et pour ça, c'est très simple. Par exemple, si j'ai envie de faire changer le 4 de carreau, je prends le 4 de carreau, je le secoue comme ça, je le frotte alors sur n'importe quel support, n'importe où, et là, il change de couleur. Alors, vous ne le voyez pas parce que je ne vous l'ai pas montré, mais si maintenant je vous montre les autres cartes, vous allez bien vous rendre compte que toutes les cartes sont bleues, sauf une carte orange, qui, effectivement, elle, est le 4 de carreau. Alors, ça marche aussi pour le 4 de carreau, mais ça peut aussi marcher pour les autres cartes, puisque je suis capable de faire changer n'importe quelle couleur des cartes. Par exemple, si j'ai envie de faire changer cœur. Alors, cœur, c'est pas pareil. Cœur, il faut tourner comme ça. Chut, hop, et ça y est, ça change. Et je vous le prouve, toutes les autres cartes deviennent bleues, sauf le 4 de cœur qui, lui, devient jaune. Et je vous le prouve, c'est vraiment le 4 de cœur. Et je peux faire ça avec n'importe quel 4 du jeu. Par exemple, si je fais ça avec, c'est quoi que j'ai pas fait? Tiens, le trèfle. Alors, le trèfle, c'est différent. On va ni le tapoter, ni le tourner. On va juste faire enlever l'encre, en fait, du 4, comme ça. En soufflant. Et ça marche aussi. Parce que si on regarde, toutes les cartes, effectivement, sont bleues, sauf le 4 de trèfle qui, lui, est blanc. Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin dans cette expérience avec un 4 que j'ai pas encore fait. Tiens, le pic. Alors lui, le pic, je vous avoue que j'ai jamais réussi. J'ai beau frotter, beau tourner, beau souffler, j'ai jamais réussi à faire changer la couleur du dos. Mais par contre, chaque fois que j'ai inséré le 4 de pic dans un jeu, ça m'a fait n'importe quoi dans mon jeu, ça m'a fait disparaître toutes les cartes. Mais le pire, c'est que ça a fait disparaître vraiment toutes les cartes, sauf une. Je vous l'avais dit que j'arrivais jamais, c'est le 4 de pic. Et ça, c'est vraiment, vraiment bizarre. Alors, l'idéal, et comme vous l'avez compris, que le 4 de pique, j'arrivais pas, c'est quand toutes les cartes étaient ensemble. Et là, on a pu changer la couleur des cartes, juste en faisant ça. Et là, comme, rappelez-vous ce que j'avais changé, le 4 de pique de couleur bleue, le 4 de trèfle de couleur blanche, le 4 de carreau couleur orange, et le 4 de cœur de couleur jaune. Alors, c'est pas joli tout ça ? Pas mal, surtout celle-là, là, elle me plaît bien. Elle est jolie, hein. Merci. Et Jean-Louis. Voilà, une petite démonstration d'un tour de petit paquet.